Seigneur, nous voulons te bénir en cette date du 1er mars 2020. Nous te rendons toute la gloire, tu utilises ma personne, tu fais du bien à ton peuple, à tous ceux qui suivront cette vidéo. Seigneur, Hachem, le Dieu des Hébreux, utilise ma personne, fais du bien dans tes cœurs, la restauration, et apporte ce que tu as décidé de faire dans leur vie. Merci de m'utiliser et merci de le faire maintenant pour la seule gloire de ton nom. C'est dans le nom de Yeshua et Machia que je priais. Amen. Alors, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Voilà. Alors, je bénis le nom du Seigneur qui, par via Internet, permet que je puisse communiquer avec ceux des divots que vous êtes et avec le monde entier parce que vous n'êtes pas les seules personnes à suivre. Juste après, n'est-ce pas, ce programme, ça sera mis sur YouTube pour permettre au peuple de Dieu dans le monde entier de pouvoir écouter, n'est-ce pas, les enseignements qui pourront les édifier dans leur marche chrétienne. Alors là, pour vous dire déjà que je suis suivi dans plus de 240 pays dans le monde. Voilà, où les gens me suivent un peu partout. En Nouvelle-Zélande, je tenais à saluer ceux de Nouvelle-Zélande. Voilà, ceux de Nouvelle-Zélande, Maman Nono et toute l'équipe de Nouvelle-Zélande. On est ensemble et à très bientôt. Amen. Je tenais à dire saluer aussi les gens de l'Australie. Je tenais aussi à saluer tous les gens du Brésil. Je tenais aussi à saluer à l'église Pentecôte authentique de Paris, les enfants spirituels et toute cette équipe autour de ce ministère. Je tenais aussi à saluer toute l'équipe de Zaroko qui sont déjà à Divo. L'équipe de Zaroko, soyez bénis. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Toute l'équipe de Zaroko s'est déplacée. Je tenais à saluer le président Seko, Amen. Le général 60 étoiles. Amen. Amen. Le général 60 étoiles. Amen. Ça va aller, président, ça va aller. Merci beaucoup. Ça va aller. C'est comme ça, quand tu es leader, c'est comme ça. Amen. Je salue tout le monde, toutes les filles spirituelles, tous les enfants, les pasteurs de Divo, et les pasteurs dans le monde entier, tous les enfants spirituels, Amen. Le prophète Crasso, les ambassadeurs qui soutiennent, les consuls qui soutiennent le ministère en secret. Voilà, c'est les gens qui ne peuvent pas se faire voir. J'ai tendance à dire shalom aussi aux enfants spirituels depuis le Canada, alors depuis aussi les États-Unis et tout ça, que le Seigneur vous bénisse. Franchement, Amen. Je bénis le Seigneur, Dieu, le Hachem, le Dieu des Hébreux, qui permet que dans le monde entier, j'ai reçu même plus de coups de fil ce matin, des gens qui m'ont appelé, voilà, même de la Côte d'Ivoire pour avoir de mes nouvelles et tout ça. Voilà, voilà, que le Seigneur soit béni pour Amen. Tout. Alors, que le nom du Seigneur soit béni. Pour vous dire très bientôt, Amen. Vous verrez le prophète Kratou en temps de Amen. Voyager pour éventuellement tourner à ce temps. Voilà, avec toute une équipe, voilà, bien organisée. Alors, je tenais à vous dire que nous avons déjà créé une web TV. Une télévision en ligne, c'est web TV, c'est MCA TV. Voilà, il y a des grilles de programmes, c'est une télévision web. Voilà, une télévision web. Nous sommes en train de tester la capacité, tester, vraiment quelque chose de très bon. Nous avons dans les grilles de programme évangélisation, même le JT, il y aura un journal télévisé, il y aura pas mal de choses, je ne peux pas tout dévoiler, mais des grandes surprises avec cette chaîne de télé. C'est vraiment quelque chose de très, 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 très costaud. C'est un rêve pour nous qui devient maintenant une réalité Amen. Par la grâce de Dieu. Alors, Amen. Donc, vous allez sur Internet, c'est tellement simple, vous allez sur Facebook, vous cliquez, vous cherchez MCA TV. MCA TV. Vous cherchez ça sur Facebook. Vous avez déjà le Facebook dans la salle. Alors, vous qui êtes dans le monde entier, vous qui voulez déjà suivre les actualités, parce que ça sera quelque chose de très balèze. Cette chaîne de télé va se rapprocher de nos auditeurs, va se rapprocher de ceux que nous prions, qui iront même très loin chez eux pour recueillir des témoignages. Nous n'allons pas rester comme ça. Il y aura aussi de la promotion des artistes chrétiens sur cette chaîne. Beaucoup de choses. Cette chaîne m'accompagnera dans toutes mes tournées Amen. Dans le monde. Alors donc, allez-y, vous cliquez. Vous avez vu que dans ces temps-ci, nous textons déjà cette chaîne de télé. Vraiment quelque chose de balèze avec des images de pointe. De quelque chose de très balèze. C'est ça. Il ne faut pas être en déphasage de la nouvelle technologie. Il faut évoluer. C'est ce que nous sommes en train de faire. Au-delà de YouTube, au-delà de certaines choses, nous avons une chaîne de télé. Aujourd'hui, allez vous abonner à cette page MCA TV. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page, allez vous abonner aussi à ma page Prophète Joël Kratso Ministère. D'autres sont étonnés de savoir qu'ils n'arrivent pas à suivre mes directs. C'est tellement simple. Vous allez sur Facebook aussi, vous cliquez,
Vous cliquez Prophète Joël Crasso Ministère. Prophète Joël Crasso Ministère. Voilà, comme c'est écrit, hein, prophète, d'abord, tout n'est pas collé. C'est séparé prophète, Joël, Crasso, ministère. Et vous voyez un petit pouce, vous cliquez j'aime. Quand vous cliquez j'aime, vous êtes déjà abonné à cette page. Et pour ceux qui sont sur YouTube, abonnez-vous sur YouTube, c'est tellement simple. Alors aujourd'hui, je regarde YouTube, nous sommes je suis à 100 000 abonnés. Voilà, le 1er mars aujourd'hui sur YouTube. YouTube m'annonce déjà que je suis déjà à 100 000 abonnés sur YouTube. Gloire soit rendue au Seigneur. Continuez de vous abonner comme ça, on aura l'occasion de vous partager les œuvres de Dieu. Amen. Alors, depuis, voilà pour vous montrer, voilà, c'est clair là, voilà, c'est clair, je suis à 10 000, je ne sais pas si vous voyez, à 10 000 abonnés, à 100 000 abonnés plutôt, à 100 000 abonnés, 100 000 abonnés, voilà. Allez-y, vous cliquez sur mon prophète Joël Crasso, 100 000 abonnés. Alors, pour dire, nous sommes en train de bien de nous organiser dans beaucoup de domaines. Pour ceux qui aimeraient se rendre à Divo, c'est tellement simple. Vous allez vous appeler le secrétariat 00225-47-07-23-28. 00225-47-07-23-28. Vous appelez le secrétariat. Prenez rendez-vous. À partir du vendredi, je commence mes réceptions. Samedi, les délivrances. Et dimanche, les moments de culte comme aujourd'hui. Alors, ici à Paris, c'est tellement simple. Je les écoute téléphoniques à partir du mardi et vendredi, samedi, jeudi. Vous allez sur mon WhatsApp télé, mon WhatsApp 00-337-55-30-87-48. C'est un numéro de travail. Amenez des messages sur WhatsApp. Faites les messages WhatsApp. N'appelez pas directement. Si vous voulez amener des messages et essayer d'expliquer le but de vos contacts pour qu'on puisse, n'est-ce pas, vous prendre des rendez-vous. Alors, ici à Paris, c'est à Vitry-sur-Seine. À Vitry-sur-Seine, en banlieue parisienne. Tous les dimanches, de 14h30 à 18h, de grands moments de restauration. De grands moments de délivrance. Aujourd'hui, j'aurai l'occasion de cette exclusivité de vous montrer les béquilles. Ici, on fait jeter les béquilles. Vous allez voir, on a en train de faire super même musée des béquilles. Vous suivez le direct. C'est pour ça que connectez-vous tous les dimanches. Connectez-vous à partir de 16h, 16h30 de Paris. Connectez-vous déjà. Vous allez voir déjà sur Internet, sur Facebook, le direct de l'église Pentecôte authentique de France. L'église actuellement, celle que Divo, est l'église Pentecôte authentique de Côte d'Ivoire est basée à Divo. Alors, beaucoup de nations réclament encore cette communauté, bientôt en Nouvelle-Zélande, bientôt en Australie, bientôt au Brésil, bientôt aux États-Unis, bientôt au Canada. Mais nous sommes en train de travailler pour le moment sur l'équipe de Paris. Et bientôt une tournée, parce que quand j'ai fait tourner, je dois avec une équipe. Il y a des gens qui doivent être moi. Il y a des professeurs, il y a des chercheurs. Voilà, il y a des chercheurs, il y a des généraux qui doivent m'accompagner dans cette tournée africaine. Nous devons toucher le Cameroun, nous allons toucher le Sénégal, nous allons toucher le Bénin, nous allons toucher le Mali, nous allons toucher le Libéria, nous allons toucher le Libéria, nous allons toucher, n'est-ce pas, tous les pays, Kenya, beaucoup de pays ont commencé à se prononcer. Les Béninois ont commencé à se prononcer. Alors appelez déjà, commencez déjà à signaler déjà votre comité là-bas au niveau du Bénin. Les Camerounais ont commencé à appeler, commencez déjà à signifier votre comité au niveau du Bénin. Le Sénégal a commencé à appeler, le Gabon a commencé à appeler, commencé déjà à signifier. Le Sénégal aussi, oulala, le Sénégal, après la Côte d'Ivoire, le second pays qui me suit en Afrique, c'est le Sénégal. Et après le Sénégal vient le Cameroun, de tout ça. Parce qu'il y a des statistiques que YouTube donne. Alors, on sait déjà à l'Afrique du Sud aussi. L'Afrique du Sud me suit, elle suit mes activités. Commencez à vous organiser. Voilà, comme ça, nous allons partir d'un point à un autre point, parce que c'est une question d'organisation. Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, beaucoup de pays seront visités. Et lorsque je vais commencer déjà, parce que commencer déjà à appeler, voilà, beaucoup m'appellent déjà de Maroc. Oui, bientôt on sera au Maroc. Ouh là là, Maroc, c'est aussi le troisième pays en Afrique aussi, où on me suit beaucoup au Maroc. Alors commencez déjà à vous organiser, même en Arabie Saoudite, en Égypte, c'est une forte communauté en Égypte. Voilà, des personnes même sont déplacées, sont venues me voir par la grâce de Dieu. Ils sont venus même ici me voir, tout ça. Il y a pas mal de pays en Arabie Saoudite, à Dubaï, dans beaucoup de pays. Commencez déjà à organiser. Nous avons tourné africaine. Alors, nous avons beaucoup de pays. J'aurai l'occasion de donner les pays que nous allons déjà commencer à visiter par la grâce de Dieu. Alors, commencez déjà à positionner cela. Vous appelez 300 00 337 55 30.
87-48, n'est-ce pas, pour manifester le besoin de recevoir toute cette équipe pour venir vous former et vous aider spirituellement parlant. Parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont scientifiquement assis. Il y a des généraux à Divo. Ne vous amusez pas avec eux. Ils ont la science quantique. Ils ont l'occasion de vous détailler ce qu'on appelle la science quantique. Amen. Moi, j'ai le volet spirituel. Quand il vient, c'est à vous débarrasser des gnani. Ils viennent vous parler de la science quantique. Le général Seiko Paulet, il va venir vous parler des sciences quantiques. D'autres viendront, qu'il y a le docteur Bazaré. Il y a un docteur aussi en criminologie. Donc, on est outillés pour cette tournée. Très outillés. C'est-à-dire les professeurs en université, on les rencontre. Il y a des professeurs qui sont doctorat en criminologie. Leur thèse, c'était les crimes spirituels. Voilà, donc on est vraiment étudiés. Nous ne sommes pas les nouveaux PABA, excusez-moi. Nous avons atteint un niveau licence. Au minimum, nous, c'est licence minimum. Voilà, parce que le débat, c'est pas parce que le débat, c'est un débat, sera très élevé. Donc, voilà, très, parce que nos parents africains qui pensent connaître soi-disant intellectuel, banalise la présence de ces ténèbres-là sur le sol africain et qui crée le sous-développement africain. Nous allons vous expliquer comment les Blancs, l'Occident a procédé pour, n'est-ce pas, se positionner dans le développement. La preuve, c'est qu'à Zaroko, nous avons combattu, le développement s'est installé. Amen. En force. Les Ivoiriens disent en bris. Les Ivoiriens disent en bris. C'est installé en bris, même. C'est venu en force. Voilà. Les Ivoiriens disent en bris. C'est en bris, mais c'est installé. Amen. C'est les brigands des délinquants. Comme Grémien. Voilà, nous, c'est la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crises spirituelles. Amen. Très bientôt, vous allez entendre parler de nous. Amen. On arrive. Amen. Voilà, en tournée. On va prendre les Sénégalais scientifiques, parler avec eux, les philosophes, si vous voulez, venez poser des questions à polémique. Nous allons vous répondre, publiquement parlant, avec des messages authentiques. Amen. Vous faites du bien. Tous ceux qui disent sont philosophes, tous ceux qui disent ne croient pas, ils sont sceptiques à ça. D'ailleurs, tout ce qui est noir existe. Vous ne direz pas le contraire de ça. Celui qui dit le contraire, il a un problème avec sa propre nature. Parce que l'être humain est composé de l'âme, l'esprit et le corps. Amen. Alors, c'est ce qui fait l'être humain. Où est l'esprit? Vous allez m'expliquer. Ouais. Si la science reconnaît que l'être humain est composé d'une âme, où se trouve l'âme? Dites-moi, vous les scientifiques, comment vous avez trouvé l'âme? Il y a des choses qu'on ne peut pas démontrer. Mais nous, bientôt, très bientôt, ce mal sera démontré scientifiquement. On arrive Amen. Là-bas. Amen. Très bientôt, il y a des gens qui ont pris de leur temps que Dieu a outillé, n'est-ce pas, que la science quantique. Vous aurez l'occasion d'expliquer ça. Vas-y, français, là. Il y a quelqu'un qui va parler ça et vous allez comprendre. Voilà. Donc, nous, on est prêts. Vous dites, on est seulement prêts. Prêts. Amen. Nous sommes aujourd'hui le 1er mars, c'est le troisième mois, pratiquement, de l'année. Et le troisième mois, c'est un mois important. Vous savez, chaque trois mois, un homme évolue ou régresse. C'est pour cela qu'il faut faire un break. Quand tu commences à rentrer dans le troisième mois, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et on commence à réfléchir. Parce qu'à la fin du troisième mois, quelque chose doit se passer. Le chiffre 3 est le chiffre de Dieu. Vous ne savez pas. Dieu, c'est le Dieu, le Père, Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pour ça que l'homme est à l'image de Dieu. Parce que l'homme a une âme, a un esprit, a une âme et puis un corps. C'est pour ça qu'on ressemble à Dieu. C'est trois entités qui font l'être humain. C'est pour ça qu'on ressemble à Dieu. Donc, normalement. C'est pour ça que vous regardez que la femme, le bébé a fait 9 mois. Nous trouvons 3 fois. Le même 3, voilà. Donc elle va faire 9 mois de grossesse et puis elle va engendrer un bébé. Donc le chiffre 3, il est vraiment important. Jésus a fait 2, il va faire le troisième jour, Jésus va sortir du tombeau. Le hasard n'existe pas, c'est ça qui est important pour ceux qui ne savent pas. Les chiffres sont venus de Dieu, c'est Dieu. Le sixième jour, il crée, il dit le chiffre de l'ordre. Le sixième jour, Jésus vous a dit, enseigné ça, le chiffre 6, Dieu est le plus grand numéro. Voilà, dans ce temps-ci, sur ma page Facebook, je suis en train de vous montrer le plus grand architecte. Comment Dieu arrive, le plus grand peintre, a fait des peintures, a couleurs aux animaux. Je suis en train de montrer le maître de l'univers, c'est merveilleux. Alors, si vous restez dans l'inconscience d'une doctrine, parce qu'en fait, le problème des gens, ils sont tellement doctrinés, quand tu parles d'animologie, ils disent, ah non, c'est biblique. Mais c'est biblique. Pourquoi Jésus choisit 12 disciples? Et pourquoi il y a 12 tribus d'Israël? Point d'interrogation. Les choses ne se font pas par hasard. Rien ne vient par hasard. Et c'est ça qu'il faut savoir les choses. Or, quand vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas avancer spirituellement. Parfois, de connaissances, on peut périr. C'est pour ça qu'à un moment donné de la spiritualité, il faut
Il faut chercher à connaître. Parce qu'on n'est pas censé tout connaître. Il faut s'écouter pour apprendre. Voilà, donc le chiffre 3, nous sommes dans le mois de mars. Bon, pour ceux qui ne savent pas, dans le calendrier, si vous voulez faire vos recherches, le mois de mars n'existait même pas dans le calendrier romain. Alors, le mois de mars, vous savez qu'il y a 12, le 12, 12 mois. 12 mois, c'est vraiment des chiffres très importants. Voilà, les chiffres 12, c'est vraiment très important. Donc, le mois de mars, c'est un mois où les gens revenaient, se réjouir d'une victoire quelconque, tout ça. Bon, bref, je ne parle pas le mois de mars, c'est vrai. C'est pas ça qui est le plus important. Mais le chiffre 3, plutôt, dans ce que je suis en train de dire. Nous avons commencé janvier, février. Nous sommes en mars. En mars, là, est-ce que les choses ont avancé? Parce que quand quelqu'un marche, il doit s'asseoir pour réfléchir. Si tu ne réfléchis pas à ta vie, personne d'autre ne viendra réfléchir à ta vie. Je suis désolé. Parce que la Bible dit que à tes résolutions répondra du succès. Les gens, ils veulent manger seulement. La Kali est foutu. Djoumblé. La Kali, Djoumblé. La Kali, Djoumblé. Mais ils ne réfléchissent pas. Parce que, tout compte fait, nous allons vers la destinée prophétique. Vers la destinée. Dieu te prend d'un point A, il te conduit d'un point Z. Alors, pour avancer, alors, c'est important de savoir est-ce que les choses vont bien ou pas. Parce qu'il peut avoir arrivé que ton moteur a pris un coup. Le moteur de ta voiture. Et tu es stagné. Oui, c'est ce qu'on appelle la stagnation spirituelle. Les gens sont stagnés. Ils ne peuvent plus avancer. Et c'est dangereux. Parce que quand tu es stagné, la vie, toi-même, tu es convaincu que tu ne bouges plus. Rien ne va. Mais il y a une action à mener. C'est une action à mener pour que tout ça soit décanté. Donc, le mois de mars, là, qu'est-ce que, depuis janvier jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a une évolution? Non. Mais il ne faut pas rentrer en avril avec tous ces nénénénés. Ce serait que nous, depuis hier, la journée, c'est le jour de la transition. Hier, c'était la transition. Nous avons commencé, par la grâce de Dieu, à parler. Parler au mois de mars. Vous savez, les gens, ils jouent avec la spiritualité. Quand ils regardent les gens, vous pensez où Dieu, là, il va venir rien dans vos narines. Il va venir rien toujours dans vos narines. Excusez-moi. Il ne peut pas rien dans vos narines. C'est ce que tu fais. La seule chose qu'attire Dieu sur cette terre, c'est la prière. Si vous ne priez pas, Dieu ne fera rien. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Alors, si vous intéressez à la spiritualité, le problème, c'est quoi? C'est que c'est le spirituel qui fait le monde visible. Que vous ne voulez pas. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Il n'a pas commencé par la terre, il a commencé par le ciel. Donc, si vous ne réglez pas les choses spirituelles, que vous-même, vous ne priez pas beaucoup, mais ils vont vous manger un seul pas, un placali, et en fait, ils vont vous manger la chose placali. Parce que vous ne faites pas le point de votre vie. Chaque fois, vous ne regardez pas si ça évolue ou pas. Et puis, malheureusement, vous vous connectez aux gens. Parce que quand tu marches avec quelqu'un, il faut savoir est-ce qu'il t'apporte quelque chose de bien ou pas. Et parce qu'il y a des connexions qui sont négatives. Il y a des fausses connexions. Tout à l'heure, on parlait, il y a une mauvaise connexion. C'est ça. C'est comme ça que, spirituellement parlant, il y a des mauvaises connexions. Il y a des gens qui viennent se connecter à votre vie et qui vous détruisent. Donc, il faut faire le point de ton entourage et de tout qui est en train de partir. Alors, donc, c'est important. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore fait l'action prophétique, parlez à votre vie, parlez pour le mois de... Parce que la parole est une semence. C'est ce que tu sèmes, que tu récoltes. Il faut que le mois de mars nous apporte le bonheur. Il faut que le mois de mars nous apporte la gaieté. Il faut que le mois de mars, n'est-ce pas, nous apporte tout ce qui est bonne chose par la grâce de Dieu. Alors, il faut que tu parles. Parce qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Rien ne se fait sans la parole. Alors, donc, à partir de minuit, commencez, pour ceux qui n'ont pas fait, commencez à parler la journée. Nous avons 4 jours pour le faire, parce que le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la stabilité. C'est pour ça que quand vous allez regarder le code bancaire, c'est toujours 4 chiffres. Le code parlait de la carte magnétique. Bon, pour ceux qui n'ont pas les 4, je suis désolé. Mais quand vous avez la carte magnétique, c'est 4 chiffres. Le chiffre 4, le chiffre de la stabilité. Donc, c'est les choses que j'enseigne pour que vous puissiez comprendre. Ma vie doit décoller 6 mois même. Si je ne fais rien, rien ne bougera. Alors, c'est vous qui devez parler. Comment toi, tu as l'argent, puis à un moment, ça se brûle. Parce que l'ennemi a plus le temps de te guetter. L'ennemi a plus le temps de regarder ta vie. Et toi-même, inconsciemment, il y a certaines choses qui sont commencées à se positionner sans que tu le saches. Et qui a commencé à noircir ta vie. Et qui a commencé. Ce qui t'arrive aujourd'hui, ça ne date pas de maintenant. Parce que tu as négligé. Il y a des gens qui négligent de prier avant de dormir. Mais tu t'attends à quoi? Quand tu vas dormir, puis tu ne pries pas. Tu as fini de manger. Malheureusement, il y a des gens, et c'est à partir d'une minute qu'ils mangent foutu. Malheureusement, c'est dangereux. C'est dangereux même pour l'organisme. C'est très dangereux. Il y a des gens qui sont possédés. Un foutu. Comment tu peux manger foutu sur grain la minute? Tu es sorcier ou bien? Voilà.
Parce que le corps même, le corps à partir, je vous dis déjà, à partir de 20 heures, le corps même ne supporte plus, ne peut plus digérer. Non, ça ne va pas. Bon, Dieu merci, aujourd'hui, ça va. Moi, à partir de 16 heures, je mange plus. 17 heures, non, non, non. J'ai laissé cet homme. Je fais maintenant beaucoup de sport. Dieu merci, je respire bien. Avant, je sais, il était trop gros. Maintenant, il a diminué. Je suis dans 72 kilos. Avant, c'était 104 kilos. Il m'a eu où, là? Un poids, là. Popo, maintenant, là, ça va. Le Seigneur m'a délivré. Amen. Je fais du sport 1h30 par jour. 1h30, je cours. Je fais le sport, ça va. Et tout ça, c'est thérapeutique. Tout ça, on n'a pas. Tout ça, c'est thérapeutique. Faut penser à ton corps. Il faut penser aussi à la spiritualité. Beaucoup tendent à dire aux d'autres personnes faire le sport. Ils vont voir ça en connerie. Non, tu as choco. C'est pas faire des chocos, hein, c'est santé. Hein. C'est pas chocolaté. Hein, ça fait des santé. Donc, à titre général, pour faire sport, je t'ai conseillé de faire le sport. Amen. Depuis, il y a terrain devant ta porte. Amen. Tu ne fais pas sport. Terrain, là, mais c'est dans tes narines. Et en secours, terrain, là, c'est dans tes narines. Le stade de Digo, c'est devant toi. Amen. Tu ne fais pas sport. Amen. Bientôt, on commence une tournée. C'est compris. Nia, amen. Tu es juste à côté là. Ah, il dit pas ton nom. Pour faire sport, tu grossis un béni, tu grossis. Tu manges trop la calure sur grain. Tu manges beaucoup sur grain, la calure. Tu as trop grossi. Allez, fais le sport, allez, fais le sport. Moi et ma femme, on fait le sport. Je la prends, on fait le sport. C'est important, ça amène beaucoup de choses. Amen. Oh là-bas, là, quand on finit là, à 20h, 23h. Comme ça, si on mange, ça l'est là, on mange son grain. Il y a du blé dedans. Nous, on fait le son grain du blé. Eh Dieu! Quand tu finis de faire croisade, tu rentres à la maison, la servante, elle a préparé pour un plein. Tu veux tenir, mais tu ne tiens pas. Recoucher matin son grain. Rendez-vous en bas, la sauce t'attend, le riz en haut. Voilà. Tu chicotes ça. Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai laissées. Maintenant, c'est la salade, les fruits. Pourquoi? Parce que c'est important pour ma santé. En tout cas. Voilà. J'ai fait beaucoup d'efforts. Voilà, c'est pour dire qu'il faut faire quand même un bilan de santé spirituelle, physique, morale. Morale aussi, c'est important. Ce n'est pas tout le monde qu'on écoute. Ce n'est pas n'importe qui. On considérait un moment donné de sa vie. Il faut savoir ce que tu veux. C'est ça important. Il faut savoir où tu vas. Alors, dans le mois de mars, c'est tout ça. Je pars avec qui? Parce que je vous ai déjà enseigné qu'à partir de janvier, on a commencé avec de nos intentions de prière. 12 sujets. Quels sont ceux qui les suivent? Point d'interrogation. Ceux qui suivent ça, c'est très bien. Vous allez commencer à remarquer, il y a beaucoup de choses que Dieu a commencé à régler. Cochez ça. Merci. Jusqu'à la fin d'année. Parce que c'est important de suivre tout ça. Ne négligez rien. Parce que la spiritualité a horreur de la négligence. Voilà. Le seul moyen que Dieu utilise pour bénir quelqu'un, c'est la prière. Amen. Alors que Dieu bénisse. Amen. Je vais parler des bienfaits d'une persécution. Parce que maintenant, qu'est-ce que la persécution? Amen. La persécution, c'est quoi? Il faudrait d'abord connaître ce qu'on appelle persécution et les bienfaits. Parce que souvent, la persécution, elle est au sens négatif. Nous voyons ça dans le sens négatif. Oui. Parce qu'on est persécuté, c'est vrai. Mais elle a ses retombées positives. Et donc, nous allons parler un peu de ça. Souvent, quand on parle de persécution, tout ça, c'est vrai. La persécution, c'est traiter injustement et cruellement. Traitement injuste. Injuste plutôt, excusez-moi. La persécution, c'est traitement injuste. Cruel, infligé avec acharnement. Voilà, voici la définition. Traitement injuste et cruel, infligé avec acharnement. Donc, ça veut dire, ceux qui te persécutent, la plupart du temps, n'est-ce pas, c'est injustement. Parce qu'ils n'ont pas de raison. Souvent, même bien s'il y a une raison, mais eux, tout leur problème, c'est de te détanéantir. Voilà. Avec acharnement, ça veut dire qu'ils ne lâchent pas. Voilà. Vous comprenez que déjà que ceux qui persécutent ne lâcheront pas. Ils auront un plan B, un plan A, mais ils feront un plan B. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent créer? Ils veulent créer un traumatisme. En fait, ils veulent une dépression. Moi, c'est le mot. Il veut qu'ils puissent déprimer. Ceux qui attaquent, ceux qui vous persécutent, c'est de créer une dépression. Une fois que tu déprimes, tu n'as plus confiance en toi. Là, lorsqu'il y a plus de manque de confiance, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir et vous perdez la boussole. Vous perdez même le sens même de la vie. Voilà. Et c'est comme ça que les gens arrivent à vous avoir. Parce que Jésus a dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Frère, le jour où vous ne croyez plus en vous, parce que le sens même de la persécution, ceux qui vous persécutent savent une chose,
que ces personnes-là te persécutent parce qu'elles savent que tu es meilleur. Elles savent que si elles ne te persécutent pas, tu vas aller très loin. C'est ça. Donc, elles créent une persécution pour un truc pour t'infliger avec acharnement. C'est-à-dire qu'ils vont dans un point, ils vont chercher des choses pour venir pour que tu puisses déprimer. Le seul problème, c'est-à-dire que t'amener à même te dire que tu ne vaux rien, et même pousser des gens à n'aiment même plus t'aimer, à parler. Or, si vous êtes arrivé à ce stade où vous-même vous commencez à réfléchir, vous dites, moi-même là, je fous quoi dans la vie, c'est vrai, hein? Frère, vous devez comprendre que Dieu ne choisit pas des gens justes. Est-ce qu'on a bien saisi? Amen. Dieu prend des pécheurs, il fait d'eux des gens justes. Amen. Dieu prend des vauriens, il fait d'eux des hommes forts. Dieu ne prend jamais quelqu'un qui est fort. Il prend celui qui est fait, il fait de lui un homme fort. Il prend un pécheur et il rend de lui juste. Et c'est ce que vous devez comprendre. C'est que vous devez comprendre que le jour où vous perdez foi en votre personne, le jour où vous ne croyez plus en vous, vous avez donné raison à la persécution de vous détruire. Vous avez donné à la le persécuteur de vous détruire. Parce que la vraie raison de ceux qui vous persécutent, c'est que vous puissiez perdre confiance en vous. La confiance en soi, lorsque vous perdez cette confiance, c'est fini. Parce que toi-même, tu t'es déboussolé. C'est pour ça qu'il ne faut jamais perdre confiance en ta personne. Dis à quelqu'un, ne perds jamais confiance en ta personne. Amen. Amen. Les gens commencent à t'insulter, ils vont commencer à dire des choses, ils vont commencer à te vilipender, ils vont commencer, mais avec acharnement, ils vont commencer à t'accuser lui-même, te dire des choses, ils vont commencer. Or, vous savez, ce qui est intéressant, quand nous lisons la Bible, ça dit, ils vont commencer, lisez la Bible, nous allons prendre la parole de Dieu, s'il vous plaît, nous allons lire la Bible pour comprendre certaines choses. Amen. Amen. Voilà, nous allons comprendre beaucoup de choses en lisant la parole de Dieu. Elle pourra nous construire la foi en nous. C'est vraiment très important de comprendre que plus les gens te persécutent, plus tu dois même plus te rapprocher. Ceux qui te persécutent même te rapprochent de Dieu. Voilà. Ceux qui te persécutent là même, ils savent pas qu'ils sont en train de te rapprocher de Dieu. Alors, regardez ce que la Bible dit face à la persécution. Matthieu 10, 22. On peut me lire la parole de Dieu. Une autre personne prend Matthieu 5, verset 11. Voilà, la persécution, les bienfaits, les bénéfices d'une persécution. C'est vrai qu'elle est négative. La persécution en tant que telle, elle vient, n'est-ce pas, injustement, les choses injustes. Pour amener les gens nous dénigrer, les gens ne pas nous aimer, les gens nous vilipender, et même toi-même à perdre confiance. C'est-à-dire, pour créer une dépression. Ceux qui vous persécutent veulent que vous déprimez. C'est ça la vraie raison. Une fois vous déprimez, il n'y a plus de foi. Heureux serez-vous lorsque vous serez outragés et persécutés. Heureux serez-vous. Écoutez, la Bible dit que d'être heureux, vous allez dire, mais c'est difficile. C'est difficile. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a bien bénéfique. Le jour où on persécute quelqu'un, vous savez, quand on commence à persécuter quelqu'un, quand on commence à l'attaquer, ça permet à Dieu d'avoir un regard sur lui. Est-ce que vous m'avez bien saisi? Amen. Amen. Celui qu'on persécute là, c'est vers lui que Dieu tourne son regard. Pourquoi? Parce que on rapproche la personne de Dieu. Parce que la personne, qu'elle serait dans un moment difficile, parce que la personne a accéléré ça et là, et ça permet à cette personne de dire, hé Dieu, j'ai fait quoi? Hé Dieu. Quand il dit ça, Dieu descend. Regardez, laissons le domaine politique être. Laissons le domaine spirituel. Si vous voulez, même dans la Bible, il y a le volet politique, hein. On a vu David qui était un politicien. Dans la Bible, il y a beaucoup de volets, beaucoup de choses. Regardez, excusez-moi, hein, si je rentre un peu pour mieux comprendre, parce que nous sommes un peu dans cette situation au niveau de la Côte d'Ivoire, donc je vais avoir un peu un langage comme ça. Voilà du passage. Gbagbo était dans l'opposition, Gbagbo était persécuté. Ils l'ont persécuté jusqu'à n'est pas devenu président. Amen. Amen. Répondez-moi. Amen. Amen. Parce que la persécution vient pour savoir ce qui est réellement dans ton cœur. Quand quelqu'un est persécuté, ça lui donne plus de dynamisme, ça lui donne plus de force. Si réellement il est dans le vrai, quelqu'un qui est persécuté et qui n'est pas dans le vrai, lui il abandonne. La persécution vient révéler le caractère intérieur qui est en toi. Cette force de lion qui est en toi, cette capacité d'affronter la chose. Voici les bénéfices d'une persécution. C'est ça que la Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est ça qu'il faut persévérer. Il ne faut jamais. Regardez même Alassane Ouattara, qui aurait cru
que ce président Alassane Ouattara devait être président de la Côte d'Ivoire. Qui pensait ça? Qui? Ils n'ont pas persécuté? Bon, écoutez, répondez oui, ils n'ont persécuté. C'est pareil, ils n'ont persécuté. Amen. Voilà, je ne suis pas politique, les gens ne veulent pas. Il a été persécuté, c'est la vérité. Babou, il a répondu oui, amen. Babou, il a répondu pas. Il a été persécuté pour être au pouvoir aujourd'hui. Il a eu une histoire. Amen. C'est cette histoire-là qu'il a mis au pouvoir. Que vous voulez ou pas, c'est ton histoire. On ne cache pas ça. Mandela dit quoi? Mandela dit où je gagne, il dit je ne perds jamais. Il dit où je gagne, où j'apprends. Je gagne toujours. Où je gagne, où j'apprends. On ne perd jamais. On apprend toujours. C'est cela que, frère, quand on commence à persécuter quelqu'un, il y a la compassion de Dieu qui naît. Quand vous ne voulez pas, Dieu commence à avoir compassion de cette personne qui est persécutée. Amen. Quand vous persécutez là, Dieu, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'attirer la compassion de Dieu. Amen. Regardez les gens qui vont dire, mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça à cette personne? Ils sont en train de persécuter. Excusez-moi. La politique Soro, certaines personnes sont en train d'être persécutées. Regardez ce qui se passe. Ils ont envoyé le président regardez. Quand on persécute les gens, quand vous persécutez là, ça dit acharnement, on parle. Quel média qui n'a pas parlé du président Gbagbo, il est comme ça. N'est-ce pas? Tous les gens, c'est comme ça. Et lorsqu'on te persécute, le persécuté, lui, ça le met dans une position de dire, eh Dieu, viens mon aide, eh Dieu. Frère. C'est cela que, frère, ne vous effrayez jamais. Il ne faut pas que les gens vous intimident avec la persécution. Ne vous laissez jamais intimider par une persécution. Amen. Frère, ce qui doit arriver, doit arriver. Amen. Il n'arrive qu'à l'homme ce que Dieu aura décidé. Amen. Mais lorsqu'on vous persécute, on vous met dans une position où Dieu a le regard sur vous. Amen. 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 On met le regard et ça te permet de connaître ce qui est en toi. Moi, c'est dans la persécution que j'ai découvert beaucoup de choses. Hein. Quand j'ai été persécuté, j'ai su réellement le vrai visage de ceux qui étaient autour de moi. J'ai connu certaines choses. La vie, ça m'a permis de comprendre, moi-même, de me comprendre, déjà, à savoir qui je suis réellement. Ça m'a permis de me séparer avec ceux qui je dois me séparer. Ça m'a donné la possibilité d'avancer. Voilà, parce que c'est important. Amen. Dans la persécution, il faut en tirer une bonne leçon positive. Ça m'a permis de savoir aussi les capacités de la femme avec laquelle je suis. Oui, ça m'a permis de connaître la qualité de cette femme que Dieu a mis auprès de moi. Amen. Parce qu'à un moment donné, il a fallu sa présence pour me soutenir. Amen. Et c'est cela que la persécution, elle est bénéfique. C'est ça que, frère, n'ayez jamais peur. Je suis un homme et je pense que vous, c'est pareil. Soyez des guerriers. Amen. Amen. Soyez des guerrières. Amen. Vous devez savoir ce que vous voulez. Un homme qu'on persécute à cause de ton étoile. Lorsque tu vois une étoile, lorsque tu vois quelque chose de costaud, il faut t'attendre à ce que les gens se liguent contre toi. Amen. Les gens se ligueront contre toi. Liguer, ça veut dire que les gens se mettent en bloc, comme une force. Et les gens te diabolisent. Les gens te prennent comme diable. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Non. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a lâché. Non. Mais c'est cette période-là qui permet à Dieu de voir qui tu es réellement. Amen. Il faut qu'en toi, il y ait cette force qui résiste à la persécution, qui ne se laisse pas affecter. Ne vous laissez jamais affecter par la persécution. Il y a un mystique en Côte d'Ivoire ici, là. Sa bouche, elle est fermée, ça. Je ne dis pas son nom pour lui faire la publicité. Non, ne dis pas son nom pour lui donner la publicité. Je ne dis pas son nom pour lui faire la publicité. Il dit qu'il tue le pasteur. Il a parlé dans les journaux. Le jour où je l'ai affronté, il m'a donné un dit que je n'allais pas traverser 2015. Ce mystique, il a dit ça. Mais voici ici, je suis en 2020. N'importe quoi. Amen. Depuis là, il n'écrit plus qu'il a tué un pasteur. Je lui ai dit, le jour où tu m'auras tué, ce jour-là, je vais croire que toi, tu es un mystique. Après, il dit non, tu es mon collègue. Je ne suis pas ton collègue, n'importe quoi. Le feu. Feu. Amen. Je suis ta bouche, je ne suis pas ton collègue ici. J'ai fermé ta bouche, arrête de parler des pasteurs dans cette Côte d'Ivoire. Amen. Il écrivait toujours dans les journaux, lui il a tué un pasteur en trois. J'ai dit, moi, viens me tuer. Je me suis présenté devant lui. J'ai fait une vidéo. Je lui ai parlé ce mystique. J'ai dit, si tu tues, moi, prophète Crasso, je t'invite à un débat. Moi, prophète Crasso, je suis serviteur de Dieu. Si tu fais, il m'a garant
Il a fait une vidéo qui est même sur YouTube. Il m'a garanti, il m'a dit, il me donne un dernier délai. Je n'ai pas rentré en 2016. Mais voici, depuis ce temps, il a fermé sa bouche. Moi, je ne m'intimide pas. Moi, mais je suis un guerrier. Amen. Je suis un guerrier. Moi, plus tu m'intimides, j'ai une force en moi qui se réveille. Amen. J'ai une rage, frère. Lorsque l'ennemi t'intimide, il faut que cette rage qui est en toi se lève. Amen. Ne donnez pas raison, frère. On ne vit qu'une seule fois. Ne donnez pas raison. Ne considérez pas ce que les gens vous disent de vous. Amen. Démontrez-leur les qualités qui sont en vous, frère. Amen. Il a parlé après. Non, toi, je l'ai tué. Mais voici, là, frère. Mais voici. Il y a des endroits où je suis passé. Si un humain passe là-bas, s'il n'a pas Dieu, il meurt. Amen. J'ai défié les plus grands sorciers. Je suis un homme très courageux. Amen. Je n'ai pas peur de l'homme. Amen. J'ai peur de Dieu. Uniquement que Dieu. Amen. J'ai peur que de Dieu. Et je suis convaincu, moi, grâce à ce que Dieu est avec moi. Amen. Tous les sorciers de Divo, mon ancien défi, me tuer. Amen. Ça n'a pas marché. Amen. Le grand missile de la Côte d'Ivoire, ce féticheur diabolique, il a décidé, il a dit, elle n'est pas traversée 2015. Mais voici là. Amen. Je suis en 2020. Dis plus que je suis en 2020. Amen. Il dit, ah, je ne suis pas ton collègue. Je prêche Jésus. Les pasteurs plaisantins que tu as tués là, je ne suis pas plaisantin. Toi-même, tu as vu. Il lance des filles, il allait dans le bois sacré. Le président, c'est pour la une fois rencontré à Divo. Il ne peut pas. Le jour que lui et moi, on va se rencontrer. Si un débat télé. Je le mets à terre. Amen. Moi, j'ai un pouvoir, moi. Et ça, je suis fier de ça, c'est l'onction. Le pouvoir qui est en moi, là, c'est l'onction. Ce n'est pas parce que je ne parle pas que n'importe qui va venir parler. Toi, je ne parle pas. Je sais d'où je viens. J'ai affronté les plus grands mystiques de la Côte d'Ivoire. Donc, je ne dis pas son nom parce que je ne veux pas faire de la publicité à quelqu'un, donner un nom à quelqu'un. Mais lui-même, là, il sait. Il m'a lancé un défi. Ça allait où? Il me donne une atome, tu traverseras pas 200. Tu penses que moi, je suis camarade de toi? Je n'ai pas traversé 2015. Frère, ne vous laissez pas intimider. Il me persécute. Il a commencé à faire des vidéos, me persécuter. Ça allait où, frère? Tu dis t'as me tuer. Ça allait où? Moi, j'ai pas peur. Je te ouvre en 20. Si tu peux rentrer dans ma chambre, viens. Le Saint-Esprit va te foudroyer et te mater. Amen. Je me couche et je m'endors en paix. L'Éternel me garde. Amen. Dans le creux de ce matin. La destinée, là, ça veut dire que les gens viendront te provoquer. La destinée, c'est pas tout le monde qui est d'accord. La grande sorcellerie commence dans la famille. Caïn et Abel. Dans vos familles, les gens viendront vous persécuter. Amen. Amen. Donc, dans la persécution, il y a le bénéfique de la persécution. Quand les gens te persécutent, frère, eux attirent le regard de Dieu. Que les gens croient que Dieu n'est pas avec toi, ça n'engage que eux. C'est ça le problème. Que ça n'engage que eux. Toi seul, tu connais ton alliance avec Dieu. D'ailleurs, même Dieu a dit ne pas calomnier quelqu'un. Donc, quand quelqu'un te calomnie, quand tu ne parles pas, ça veut dire quoi? Dieu dit dans Psaume, le chapitre 1, le verset 5. Regardez le sort de la personne que vous calomnie. Regardez son sort. Lisez, Psaume. C'est pour ça qu'il faut envoyer Bible quand tu viens à l'église. Frère, ma soeur, envoyez Bible. Il y a librairie chrétienne sur deux plateaux. Il y a librairie de la foi. Somme le chapitre 1 à partir du verset 5. Quelqu'un dit quand il dit la mais il sait compter l'argent. Quelqu'un dit la problème, mais il sait compter l'argent. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains. Vous comprenez? Regardez. Ça veut dire que vous-même, attends, s'il te plaît. Oui. Regardez ce que Dieu dit. Parce que celui qui te persécute, il te calomnie. Dieu dit, je l'anéantirai. Vous vous dites déjà, son sort est déjà scellé. La position de Dieu, c'est de l'anéantir. Même si elle persévère, même si elle continue de s'acharner sur toi, elle continue de parce que là, c'est acharnement. Elle continue de te persécuter. La Bible dit, dans le Psaume chapitre 1, 101, le verset 5, Dieu dit, je l'anéantirai. Tôt ou tard,
Dieu anéantira cette personne. Amen. Dieu exerce sa parole pour l'accomplir et l'exécuter. Cette personne est qui pour te vouloir te détruire? Elle est qui pour pouvoir anéantir ta vie? Elle est qui? Elle n'est pas le maître de ta destinée. Amen. Dieu dit, celui même qui est calomnie, même en secret, il n'avait pas dit en public. Il n'avait pas dit en public. Encore plus grave, même en public, c'est encore grave. Il dit, celui qui calomnie en secret, je l'anéantirai. C'est ça que les gens sont misérables. Leur vie devient bizarre. Ils ont un lendemain, un futur qui devient bizarre. Vous les voyez, ils sont déprimés. Vous pouvez les voir dans la rue. Ça dépend de ce qu'ils ont fait. Hein. Ça dépend de ce qu'ils ont fait. Amen. Il y a des gens, leur manière, ils deviennent bizarres. Parce que le monsieur t'a fait quoi? Ou le persécuter pourquoi? Amen. Tu le persécutes pourquoi? Jalousie. Tu cherches à le détruire pourquoi? Chacun son étoile, il y a quoi? Il y a quoi? Or, les gens qui te persécutent, ils savent ta grandeur. Ils Amen. Savent la capacité de ce qui est en toi. Ils savent. Donc, ils te persécutent. Frère, sauf là que frère ne te laisse pas distraire. Je ne vous ai pas dit de répondre. Non. Mais montrez aux gens que vous êtes forts. Amen. Et vous avez un moral d'acier. Amen. Vous êtes des lions. Ne vous occupez pas. Laissez Dieu s'occuper d'eux. Il dit, celui qui te calomnie son prochain, en secret, je l'anéantirai. Encore en public, c'est grave. Il dit même en secret. Donc la personne, même quand elle va publiquement te calomnier, ça veut dire que c'est grave. C'est pour ça que les gens demain vont commencer à courir dans les églises. Hein, prier pour moi. Hein, je ne sais pas ce qui m'arrive. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Hein? M'applaudis. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Sorcière, sorcier. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu ne sais pas la persécution que tu as fait. Acharnement. Tu cherches à anéantir les gens. Pendant que les gens, tu ne peux pas leur donner la paix. Tu cherches frère. Ne vous laissez pas distraire. Moi, je ne me laisse pas. Je n'ai pas peur de quelqu'un. J'ai fini par comprendre que dans la persécution, gardez le silence. J'ai persévéré. Moi, dans les persécutions, ça et là. Tant. Je suis resté dans mon coin. Dieu m'a dit, dans le jeûne, va et reprends ton service. Tu reprendras le service dans la prière, dans la même salle. Je suis reparti. Ce que Dieu m'a dit, il dit, j'anéantirai tous ceux qui se liront contre toi. C'est une promesse. Frère, les promesses de Dieu, là, il ne joue pas avec ça. Le temps de Dieu, quand, frère, quand Dieu, il est lent, mais quand il décide d'anéantir, il anéantit. C'est pour ça que les bénéfices d'une persécution, ça veut dire la persécution qu'elle vient, d'abord, elle vient pour te faire grandir. Dans le sens où ça t'amène dans la présence de Dieu. Elle attire le regard de Dieu sur toi. Elle permet à Dieu de dire, ah, le monsieur quand même, ou cette soeur, la soeur quand même, laissez-la, franchement, laissez, ça, c'est pourquoi vous, voilà, la compassion de Dieu. La compassion de Dieu. Frère, quand les gens te persécutent, ça te fait grandir. Il faut croire en Dieu et en toi. Personne. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Les gens peuvent t'insulter aujourd'hui, ils peuvent même te dénigrer. Vous savez, pourquoi Dieu est élevé? Pour que Jésus soit élevé là. Vous savez ce qui s'est passé? Il a été persécuté, c'est pas ça? Hein? Amen. En train de parler, c'est la parole de Dieu. Amen. À cette époque-là, le nom de Jésus faisait peur. Ils ont dit à Pierre, ça va, monsieur? Apôtre, tu es apôtre? Non, il dit, madame, vous êtes qui? Est-ce que moi, il ressemble à Pierre? Il dit, oui, les narines là. Quand je vois les narines là, on dit Simon, toi-même là, la démarche que tu as là, c'est Pierre, c'est pas Pierre qui marchait. Il dit, vaincu, madame, tu es vaincu, tu es une sorcière. Parce qu'à cette époque-là, il dit, madame, tu es sorcière. Pourquoi tu me donnais les problèmes? Je m'en ai parlé derrière Jésus. Vous voyez? Oui, parce que la persécution fait que même ton nom, les gens ont peur même de dire qu'ils te connaissent. Même Jésus, les gens ont peur. Ils sont laissés cacher. Parce que les gens, ils font de telle sorte que même ton nom fait qu'ils diabolisent ton nom. Ils l'ont diabolisé jusqu'en... Ce n'est pas le nom de Jésus qu'on cherche aujourd'hui. La Bible dit, son nom Amen. Est au-dessus de tout nom. Dis Amen. Amen. La persécution que les gens sont en train de te faire, Dieu va élever ton nom au-dessus de tout nom. Amen. Ton nom sera positionné. Amen. Et le même, vaut mieux la fin d'une chose que ce commencement. Oui, allez-y persécuter. Oui, allez-y dénigrer. Oui, allez-y détruire. Oui, mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ne vous laissez pas distraire, elle est le moral fort. Amen. Ne vous laissez pas distraire par une menace de l'ennemi. Ne vous laissez pas distraire, frère.
Ne vous laissez pas distraire. Soyez un moral d'acier, un moral très fort. Soyez dans la présence de Dieu. Tout contrefait, il y a tout ce qu'il y a dans la persécution, il y a toujours quelque chose que vous devez apprendre. Quelque chose que vous devez lâcher forcément. Faites partie de votre vie et avancez dans le Seigneur. La seule chose, ne perdez pas confiance en votre personne. Peu importe, Dieu prend des gens, des pécheurs. Dieu prend des gens faibles. Dieu prend des gens inutiles à l'image de David. David n'était rien. David n'était rien qu'un petit garçon, un garçonnet, rien du tout. C'est lui-là que Dieu a utilisé pour établir Israël. Amen. C'est toi que ton nom entend d'être sali. Là. C'est toi que Dieu va établir, frère. Dis. Dis amen, je le sois. Amen, je le sois. Amen, je le sois. C'est toi, les gens trimbalent ici, là. C'est ton nom demain qui sera un nom que les gens vont rechercher. Dis amen. Amen. Je reçois. Je reçois. Je reçois. Si ton nom n'est pas sali, comment Dieu va rendre ce nom-là beau? Le nom de Jésus à cette époque-là, dans le jardin de Gethsémani, qui s'auto-proclamait disciple? Chacun a son. On dit Pierre, ça va? Monsieur, ça va? La dernière fois, là, tu étais avec Jésus, il t'a vu, tu m'as rendu, ça veut dire, madame, pardon. Possédé, madame sorcière. C'est même pas bien Jésus. Jésus bandit là. Qui a traité Jésus? Il avait peur. Amen. Il a régné Jésus. La Bible dit c'est son nom là qui est aussi de ton nom. Aujourd'hui, on n'a même plus entendu parler de toi. Les gens ont peur de ton nom parce que les gens t'ont sali, t'ont vu bander. Ils sont en train, ils ne savent pas que Dieu est en train de positionner ton nom. Amen. Si tu... On va salir ton nom dans la famille, on va salir ton nom dans la famille. Frère des camarades, on salit ton nom. Dans la ville, on salit ton nom. Dans le monde entier, on salit ton nom. Mais ils ne savent pas qu'en le faisant, ils sont en train de positionner ton nom important. Ton nom sera élevé. Tous ceux qui ont une histoire dans la Bible sont partis de rien. Ils n'ont rien. Gédéon dit, mais tu sais que ma famille est la plus pauvre de Manassé. Je n'ai aucune force. Dieu dit, c'est toi, va avec la force que je te donne. Amen. Je vous ai parlé d'Élie qui n'était rien du tout, qui n'avait même pas une histoire, mais Dieu l'a positionné. Il a pris son nom grand. Dieu rendra ton nom grand. Dis amen, je reçois. Amen, je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. C'est pas comme on commence. Tu as commencé peut-être dans la misère. Oh, les gens ne veulent plus entendre parler de toi. On parle mal de toi dans la famille. Oh non, lui-là, c'est comme ça. Oh non, lui-là, comme ça. Mais avant, la sang Ouattara, qui parlait bien de lui? Personne. Aujourd'hui, là, les gens viennent même. Babou, avant, qui parlait de lui? Tout le monde. Aujourd'hui. Mais c'est comme ça. Mandela, en cette époque-là, Mandela, il était persécuté. Il est devenu roi. Il est devenu le président de l'Afrique du Sud. Pendant l'apartheid, où les Blancs régnaient son nom. Pendant qu'on le persécutait, le monde Mandela commençait à être chanté par tout le peuple. Libérez les sons Mandela. Tout le monde a commencé à chanter. Frère, frère. C'est ton nom qui sera dans la bouche des gens demain. Dis amen. Amen. Je reçois. Amen. Persécutez-moi. Moi, j'aime qu'on me persécute. Allez, allez, persécutez. Allez, insultez. Allez, dites des choses. Allez, dites. Mais vous ne savez pas qu'il y a un Dieu de justice. Il y a un Dieu de faveur. Il y a un Dieu qui positionne. Il y a un Dieu que je prie. Il y a un Dieu dans le secret avec qui je parle chaque jour. Il y a un Dieu. Ce Dieu-là, en qui j'ai cru, ne me laissera pas tomber. Dis à quelqu'un, Dieu ne me laissera pas tomber, il me délivrera. Dis à quelqu'un. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu me lèvera. Dieu me lèvera. Amen. Amen. Laissez-les vos personnes. Non, laissez-les jouer. Laissez-les vos personnes. Ils n'ont qu'à dire, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont envie de faire. Ne vous laissez pas intimider. Ne vous laissez pas avoir par leur truc. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore vu que vous voulez voir? Qu'est-ce que. C'est ça! Dieu forme ton moral. Parce que quand tu veux être un leader, Dieu prépare ton moral comme acier. Il te forge. Il dit, je te donnerai un fond d'acier. Amen. Moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je n'ai pas entendu qui va m'effrayer? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Qu'est-ce que... Aujourd'hui, je suis devenu plus fort que jamais. Amen. Mon moral est devenu plus fort. Je suis grandi dans ma tête. Je n'ai peur de rien. D'ailleurs, je n'avais pas peur. Encore aujourd'hui, mon moral, c'est devenu fort. Je sais maintenant qui est là. Je sais maintenant où mettre mes pieds. Heureusement, ça m'a aidé
à me séparer de beaucoup de choses. Ça m'a aidé à me séparer des gens bizarres. Ça m'a aidé à être beaucoup intelligent. Ça m'a aidé à être sage. Ça m'a aidé à avancer. Ça m'a aidé à connaître la femme qui est près de moi, qui a un bon cœur et qui prend soin de moi. Amen. Celui qui n'est pas d'accord avec un sorcier. Et qui est-il? C'est la sorcellerie. Mais c'est la vérité. Souvent, vous vivez des gens qui ne connaissent pas leur valeur. C'est dans les moments difficiles que vous connaissez la valeur des gens. Vous le découvrez. Parce qu'une personne qui t'a vraiment aimé, même quand tu as les difficultés, ne te lâche pas. Elle ne veut pas être la source de ton problème. Elle ne s'allie pas à tes ennemis pour te persécuter, pour te détruire. Moi, j'ai connu ça. J'ai regardé droit dans les yeux, en bon, c'est comme ça l'homme est. J'ai connu ça. Mais Dieu m'a amené à connaître l'homme. Mais Dieu ne m'a pas lâché. Vrai. Moi, j'ai affronté les sorciers. Mais je ne savais pas qu'il y avait sorciers dans la journée. C'est maintenant qu'il a vu ça. Il y a des sorciers qui sont à vous, qui marchent à vous, qui cherchent à vous détruire. Demandez, bro, Gida, lui, pour l'assiette. Derrière, grand là-haut, là-bas, là. Les grands. Moi, j'ai dormi dans les maisons bizarres où il y a la sorcellerie. À Gadon. Dans les villages bizarres des habitants. Vous traversez l'eau. Vous avez 3 heures dans le pirogue. Vous traversez la lagune pendant 3 heures. Vous partez dans les villages. On dit, il y a sorcier là-bas. Toi-même, là. S'il n'y a pas de sorcier, peut-être deux. Puis toi, avec toi. Tout le monde est sorcier dans le village. Puis je les gère. Moi, il fait ça. Il fait 3 jours. Il mate la sorcellerie. Les grands là-haut, puis je reviens. Amen. Daniel de Plavie, le plus grand sorcier de grand là-haut. Je l'ai pris, qu'on s'est mis en genoux. Pendant 3 jours, il a cherché à prendre mon âme. Il m'a lancé un défi. Le monsieur, il veut le tuer ici. Demandez à président, c'est quoi? Les journalistes ont rapporté ça en 2009 dans les journaux. Amen. Là, toute la Côte d'Ivoire a rapporté ça. Et pour nous, je suis dans le village, le sorcier, il va me tuer. Tout le monde a peur de lui. Tout le monde a peur de lui. Tout le monde a peur de lui. Frère, malgré mon âge et ma taille, le cœur que Dieu m'a donné là, c'est le cœur d'un lion. Amen. Il m'a dit, je vais le tuer. C'est moi-même qui l'ai attrapé le troisième jour. Comme le chiffre 3, c'est un chiffre de victoire. Il s'est mis en genoux. Le pasteur sait à la vidéo. Il a le CD de cette vidéo, là, le pasteur sait à ça. Amen. En 2009, toute la Côte d'Ivoire a rapporté ça dans qu'on appelle le jour plus. Notre heure, les journaux ont rapporté ça en Côte d'Ivoire. Celui qui a bu le pétrole de Bruno a été démasqué par le petit prophète qui a fait des aveux. Il a bloqué toute une région. Le Seigneur m'a utilisé pour le mater. Frère, j'ai dit aux gens, c'est pas parce que je suis en Europe, je parle avec vous, vous pensez que le prophète grâce au Seigneur, gnani, gnani. Non, frère, non. Demandez aux sorciers de Divo. C'est depuis que je suis rentré à Divo que le développement est rentré à Divo. Amen. 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 Mais c'est rentré à Divo grâce Amen. À vous. Amen. Amen. C'est la vérité. Avant moi, il n'y avait pas de développement. Amen. Avant moi, il n'y avait pas de développement. Tout était bloqué. Amen. C'est grâce à moi aujourd'hui que Dieu a utilisé pour mettre le ministre à Médo. Amen. 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 Avec l'accord de Seiko. C'est pour ça que les gens doivent beaucoup à président Seiko. C'est pas parce qu'ils sont en train de parler de lui, mais il a beaucoup fait. Amen. Quand ils ont brûlé Dramena à Divo, là, c'est Seiko qui a cherché à me voir pour qu'on consacre la vie de Divo. Amen. Les Divolais ont brûlé Monsieur Div ici à Divo. Amen. C'est là où nous sommes, c'est dans la maison qu'il habitait, cette maison-là. C'est dans cette maison qu'il habitait. Amen. Il s'est pris partout, ils l'ont brûlé. Donc tout ce qui vient à Divo, là, ça se gâte. Tout devient bizarre. Amen. C'est moi, quand le président Seiko m'a rencontré à Soko, c'est la première fois, il m'a parlé de ça. On a vu une autorité dont je ne dis pas son nom pour qu'on consacre la vie. Moi, j'allais consacrer la vie de Divo, chasser les esprits. Aujourd'hui, la Divo est bitumée. Amen. Si vous ne croyez pas ça, ça c'est l'engagement de vous. Je crois ça, que vous êtes incrédule. Amen. Mais avant le prophète tracé, il y a le temps de développement. Et pendant le prophète tracé, il y a le développement. La route aujourd'hui, on vous donne bitume parce que vous pensez qu'après le bitume, là, une autorité peut décider de le faire. Mais c'est le ciel qui accorde ça. Amen. Ils ont leur bonne volonté, mais les sorciers bloquent. Amen. Les esprits bloquent ça. C'est nous avons la clé. C'est nous que Dieu a donné la clé de l'eau. Amen. Nous avons prié Dieu pour que le bitume quitte Divo jusqu'à Iré. Amen. C'est en train de se faire. Amen. C'est en train de se faire. Frère. Amen. C'est en train de se faire. Amen. Le combat, nous l'avons mené à Divo depuis 2012. Nous l'avons mené à Divo.
pour qu'il y ait un bitume, pour que le pont de Didoko soit fait. Amen. Nous, les gens sont là, ils parlent, ils disent qui. Frère, je contribue au développement de la région où je suis. Amen. À Didoko. Je contribue spirituellement. Amen. Qu'est-ce qu'il dit aux gens? Non, non, j'ai dit, vous les pasteurs, les divos, c'est pas parce que je suis orgueilleux. On n'est pas la même chose. Amen. Non, 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 non. Amen. Ne les mélangez pas, vous. Quand vous parlez, là, sachez parler. On peut se saluer. Je ne suis pas contre vous. Mais celui qui va vouloir me donner une parole négative, je le réponds. Amen. Ah oui, je le réponds. Parce que moi, mes œuvres sont là. Pour vous, là, c'est où? En tout cas. Amen. Vous avez quoi été libéré? Même si vous parlez que ça devait se faire pendant 10 ans, la maternité est bloquée. C'est parce que les gens sont ingrats. Et ça, c'est la nature de l'être humain et l'Africain sorcier, ingrat et méchant. Amen. Zaroko ont eu qui leur dispensaient grâce à nos prières. Pourquoi? Amen. Parce que même je prophétisais ça. Amen. C'est pendant que j'étais là qu'il y a eu de l'eau. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont comme une clé. Quand vous les recevez, Dieu ouvre les portes de vos vies. Amen. Je suis comme une clé du développement. C'est pour ça que bientôt, il y a comme à tourner pour que les pays africains reçoivent le développement de Dieu. C'est pas trop être prétentieux. Non, mais je suis une clé de Dieu dans les nations. Dans les nations. Il n'y a pas d'encore d'Ivoire, il n'y a pas. Partout où on est passé, les choses sont rentrées. Partout. Parce qu'on sait parler aux esprits. Il y a la voix des gens. Telle que ma voix, qu'un démon entend ça, il sait que quelqu'un a parlé. Ibori. Vérité. Le génie qui tuait les gens, le démon là, vers la radio de Amando là. Le génie là. Est-ce qu'il y a accident là-bas? Il n'y a plus d'accident, c'est fini ça. On a saigné le coin. Les endroits où il y avait des esprits là, on a localisé, on les a chassés. Amen. Vous parlez des esprits, c'est dans les corps, même dans la vie. On a dépossédé la vie des divots. C'est Amen. Ça que le développement, non? Vous pensez que c'est parce que les ministres? Non, hein? C'est parce qu'il y a un travail spirituel qui a été fait. Amen. C'est parce qu'on ne parle pas, maintenant on va parler. Amen. Quand on ne parle pas, pensez que nous, on est tous. Moi, je ne suis pas là, je ne suis pas un aventurier. Hein? Je suis serviteur de Dieu. Je ne suis Amen. Pas un aventurier. Amen. J'ai construit mon histoire dans la douleur. Quand le pasteur, quand c'est qu'on me rencontrait, le pasteur, tout ça, c'était dans la broussaille. Vérité. Je suis convaincu que je devais faire le tour du monde. Et très bientôt, nous allons tourner encore. Il n'est pas encore fini. Hein? Voilà. Ceux qui devaient partir, bizarre, le Seigneur m'a enseigné beaucoup de choses. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis une clé de Dieu pour le Amen. Développement. Amen. Le monde entier. Amen. Quand quelqu'un me rencontre, Dieu le bénit. Amen. Vous allez dire, le prophète Pasteur a fini l'engagement. Moi, je ne suis pas devenu orgueilleux, je peux vous dire la vérité. Parce que j'ai été préparé dans la douleur. Amen. Moi, c'est dans la douleur. J'ai dormi dans les endroits les plus bizarres. Aucun sorcier ne me fraye. Aucune parole ne peut m'intimider. Rien ne peut m'intimider. Parce que Dieu m'a formé. C'est ça que le sorcier, là, qui dit tu es pasteur. Logique qu'il est arrivé sur son nom a changé. Demandez-lui. Il n'a pas dit qu'il a tué combien de pasteurs. Il a tué combien? 15. Hein? 15. C'est ce qu'il avait dit dans le passé, non? Ah oui. Oh, ouais, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, moi, je devais être le 16e, non? Il voulait compléter le chiffre à 16. Il voulait compléter à 16. Oh, il y a 16, ça ne passe pas. 16, là, ne peut pas passer. Moi, je lui ai dit la vérité. Moi, je lui ai dit, le jour tu vas me tuer, c'est là, je le vois. Il dit, non, un truc contre être mon collègue. Il dit, je ne suis pas ton collègue. Je ne suis pas ton collègue. N'importe quoi. Je prêche Jésus-Christ de Nazareth, mort, Amen. Ressuscité, qui viendra juger les vivants et les morts, qui est plus puissant que le fétichisme. Et la sorcellerie. Amen. Aucunement, je n'utilise aucun pouvoir de fétichisme. Souvent, si j'utilisais le pouvoir de fétichisme, ce féticheur allait me tuer. Il a pesé la force qui est à moi. J'arrive bientôt, j'arrive. Vous les sorciers là, vous avez poussé les chronos. On arrive. Cette brigade, on arrive. On arrive très bientôt. On va vous mater au Bénin. Amen. On va vous mater au Mali. Amen. On va vous mater au Congo, au Cameroun, au Kenya, dans tous les pays africains, au Maroc, tout ça. On va vous mater. Amen. Nous devons sortir des choses bizarres. Frère, pour vous dire en un mot, la persécution et les bénéfices. Si tu es persécuté, tu pleures pourquoi? Alors, pour terminer, nous allons lire la parole de Dieu. Il dit, heureux serez-vous si vous êtes persécuté. Moi, je m'en fous. Je suis arrivé à un stade où c'est pas... Ce que les gens disent ne m'intéresse pas.
Matthieu chapitre 5, verset 11. Matthieu chapitre 5, le verset 11. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux. Le royaume des cieux est quoi? Est à eux. Le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Amen. Parce... Vous comprenez, il dit réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Frère, ne vous laissez pas affecter. Que ce soit le plan B. Parce que l'ennemi va toujours chercher à t'harceler. Il va commencer à dire des choses. Ne vous laissez pas affecter. Moi-même, là, j'aime qu'on me persécute. Persécute-moi. Continue de me persécuter. Continue d'agir. Continue de rencontrer des faussetés. Continue de dire des choses où vous voulez rencontrer tout ce que vous avez rencontré. Personne ne peut m'affecter. Moi, aujourd'hui, je suis arrivé là. Personne ne peut détruire ma foi. Personne ne peut, moi, m'amener à une dépression. Personne ne peut m'amener à déprimer. J'ai foi en Dieu et j'ai foi en ma destinée. Je sais où je m'en vais. Amen. Tous les sorciers les plus coriaces ils m'ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire, ça n'a pas marché. Frère, écoute-moi, frère. Tu es important. Dis à quelqu'un, tu es important. Dis à quelqu'un, tu es important. On te persécute parce que tu es important. Dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un, arme-toi de courage. Dis à quelqu'un, arme-toi de courage. Amen, amen. Amen. C'est toi que Dieu a choisi. Amen. Positionné. Amen. C'est pour ça que tu vois que tu as l'impression que tout est compliqué. Amen. Tu as l'impression que tout est compliqué. Vraiment. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu pour terminer dans Juges, le chapitre 6, à partir du verset 12 à 16. Continuez de persécuter, ça fait du bien. Amen. Parce que vous attirez le regard de Dieu. Quand tu persécutes, quand tu insultes, quand tu ne parles, que les gens même se loignent de toi, c'est là que Dieu s'approche de toi. Amen. C'est la loi de Dieu. C'est comme ça que Dieu marche, frère. N'écoute pas ce que les gens disent. Et qu'il ait des preuves, qu'il dit des choses, ne leur écoute pas. Crois ton destin, crois ta destinée, crois ton demain. C'est ça qui est plus important. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Juge le chapitre, c'est dans l'Ancien Testament. Oui. Après Jésus. Après Jésus, oui. Après Jésus. Le verset 16, 12 à 16. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit. L'ange de l'Éternel apparut à Jésus et dit à Jésus. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit. Gédéon lui dit. Ah mon Seigneur. Ah mon Seigneur. Si l'Éternel est avec nous. Mais s'il est avec nous. Pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées? Mais pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées? Frère, c'est ça que tu dis. Tu as l'impression de dire, mais pour, si Dieu est avec moi, c'est ça que. Mais pourquoi tout ça m'arrive? Non, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Ce qui t'arrive, ça fait partie de ta destinée. Dis amen. Amen. Ça fait partie de ta destinée. Amen. Il dit pourquoi ça m'arrive? Pourquoi cette misère? Pourquoi ces moments difficiles? Allons-y. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit. Va avec cette force que tu as. Et frère, tenu... Amen, tu t'arrêtes là. Frère, va avec cette force que tu as. Amen. Dis amen. Amen. Sœur, va avec cette force que tu as. C'est le courage que tu as. Amen. Cette force intérieure de comprendre que c'est pour un temps tout ça. De comprendre que Dieu est avec toi. Amen. Va avec cette force, ce courage là. Ne te laisse pas abattre. Amen. Ne pense pas que ça va te détruire. Amen. C'est juste venir là. Il faut en tirer une leçon. Va avec cette force. Amen. Demain, ces ennemis-là seront tes marchepieds. Demain, ceux qui t'ont vilipendé. Demain, ceux qui ont détruit ton image. Ces mêmes-là parleront un jour de toi. Amen. Parce qu'ils ont détruit ton image pour que Dieu arrange ton nom. Il Amen. Rendra ton nom grand. Il Amen. Te rendra
encore plus fort. Que Dieu vous bénisse. Amen. On se tient debout que je prie pour vous. On se tient debout que je prie pour vous. On se tient debout que je prie pour vous. On se tient debout.